Renault va fabriquer des Polestar. Ok, Polestar a annoncé que son modèle 4 sera assemblé en Corée du Sud dans l'usine de Renault. Le point commun des deux marques, Geely. Ouais, donc c'est pas vraiment Renault qui va sortir des Polestar, quoi. C'est un peu mensonger ce titre. À partir du second semestre 2025, des exemplaires de la Polestar 4 sortiront des chaînes d'usines de Renault, plus précisément de Renault Coréa, filiale du Losange, qui était auparavant Renault Samsung Motors. C'est à l'origine d'un constructeur automobile lancé par Samsung, Renault avait repris en 2000. En 2000, le nom Samsung a été gommé récemment, le constructeur français ne voulant plus payer les royalties aux géants coréens. Mais pourquoi Polestar s'est tourné vers Renault? Le lien entre les deux parties est Geely, le chinois et la maison mère de Polestar, est désormais associé à Renault pour sa filiale coréenne, en prenant une partie du capital. Le constructeur français qui est resté majoritaire lancera d'ailleurs deux nouveaux SUV en Corée, avec une base technique fournie par Geely. L'usine RKM de Busan va donc assembler sous contrat des Polestar 4, qui seront destinés pour le marché local, mais qui seront aussi envoyés en Amérique du Nord. Busan profite d'un accès stratégique au port d'exportation. Pour Renault, ce serait une bonne opportunité de mieux faire tourner l'usine, alors que les ventes de RKM sont en berne, avec seulement 12 208 modèles écoulés pour le premier semestre 2023. Très bien. Bon ben voilà, on verra ce que ça donne. Hein, voilà. Rien de plus à dire. Ciao!